Je me présente, Philippe Lamps. J'ai écrit un essai qui est paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Approche littéraire en novembre 2022. Comment être réactionnaire? Lettre de Chantilly de Marcel Boulanger, 1907-1922. Quand j'ai commencé à écrire ce travail, j'ai pensé à une phrase de Friedrich Nietzsche qui a écrit dans un esprit antiquaire, ce sont les meubles qui sont les propriétaires. J'ai voulu montrer comment, au début du XXe siècle, un intellectuel, écrivain, journaliste, cela s'applique également au début du XXIe siècle, pouvait être effectivement prisonnier de ses meubles, en l'occurrence de son mobilier réactionnaire, tout ce qu'il transporte avec lui comme idée. Alors Marcel Boulanger est né en 1873, il est mort en 1932. C'était un romancier qui avait beaucoup publié, une quinzaine de romans, et aussi un journaliste très connu qui écrivait souvent dans l'Action française, mais aussi dans Le Figaro et dans une vingtaine d'autres journaux. Il était plutôt barésien que maurassien. Il s'est enfermé dans sa pose réactionnaire pendant toute sa vie, jusqu'en 1932. Ce livre donc aborde plutôt que le fond donc la dimension de pose du réactionnaire. Parce que j'ai remarqué autour de moi, et peut-être même en moi-même, que nous sommes tous susceptibles à un moment donné, d'être réactionnaires nous-mêmes, dans le secret de nous-mêmes. Quand nous sommes confrontés à des difficultés, quand il y a un désordre social, quand nous nous posons des questions sur l'Europe, quand nous nous posons des questions sur les migrations, les sursauts chaotiques de la démocratie, ce qui est inhérent à la démocratie, puisque justement, elle est constamment vivante, donc elle est forcément chaotique à certains moments. Après avoir brossé dans l'introduction du livre un portrait de Marcel Boulanger en pied, en quelque sorte, je présente 57 articles de dictionnaire, d'une sorte de dictionnaire plutôt dépité qu'amoureux, qui commence par l'article art jusqu'à l'article Zola, en passant par communisme, femme, conclave, sociologie, slave. J'essaie de montrer ce qu'est cet âge d'or chez Marcel Boulanger. C'est un âge d'or fluctuant, c'est un âge d'or flou même, puisqu'il ne s'agit pas de l'âge d'or de l'Antiquité, il peut s'agir de Napoléon Ier, de Louis XIV, de Jeanne d'Arc. Nous sommes constamment sur la pente du déclin, et Boulanger ne cesse de tenter de se raccrocher à des figures du passé qu'il fantasme, évidemment. Enfin, dans la dernière partie de ce livre, je l'ai fait sortir de sa tombe. Il est enterré à Chantilly, il a écrit les lettres de Chantilly. J'ai voulu discuter avec lui, et donc je l'ai fait parler dans un dialogue, cinq dialogues successifs plus exactement, autour de Barrès et de Maurras, donc de l'Action française, enfin Barrès n'était pas à l'Action française, autour aussi de la question du droit et de la justice, également sur la question de l'Église catholique et sur la question de l'oubli, puisque Marcel Boulanger est oublié, ça a été une de mes tâches de le faire ressortir de sa tombe. Pourquoi ? Parce que ce qu'il écrit a des échos, évidemment, des échos très forts. Je voulais signaler que j'avais illustré ce livre avec des dessins assez extraordinaires, totalement oubliés également, d'une revue de la fin du 19e siècle, alors je cite, Psit, qui n'a duré que 18 mois avant le second procès de Rennes de l'affaire Dreyfus, revue antisémite, mais dans laquelle on trouve des attaques très fortes contre le mondialisme, contre les Américains. Il y a un anti-américanisme très fort, qui est déjà à la fin du 19e siècle, qui se dégage et qui se développe, ainsi que quelques autres thèmes. Voilà. Go!